Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing Amazon. Des petites choses, j'ai commandé des petites choses pour faire mes petits amigurumi. Alors, j'ai reçu le carton comme ça, avec mon adresse de l'autre côté. Livraison rapide, je vous mettrai le lien. Il y avait plusieurs sortes, j'ai hésité, il fallait choisir. Donc j'ai choisi cette petite mallette. Vous allez voir de tout de suite de quoi il s'agit. Vous allez me dire, mais Angélique, ça me dit quelque chose, j'ai déjà vu ça. Oui, oui, vous avez déjà vu ça, c'est pas exactement les mêmes, mais vous l'avez déjà vu. Enfin, c'est pas la même. Hein. Alors... celle-là, elle a des petites choses nouvelles. Elle en a des tout mimi. J'en avais une et j'ai vidé mon bureau. J'ai vidé tous mes sacs où il y a mes laines. J'ai tout vidé et pas moyen de remettre la main sur ma mallette qui coûtait quand même 11 euros. Celle-ci coûte 11,66 euros. Je suis dégoûtée parce que je ne la retrouve plus et c'était une grosse. Donc j'ai toujours celle-ci, la petite basique, tout des yeux noirs avec les embouts. Et du coup, je me suis dit, attends, tu fais des amigurumis, il te faut absolument plus de taille, peut-être plusieurs coloris. L'autre, elle avait des yeux comme ça. Donc des fois, je pensais aux petits rennes de Noël que je suis en train de faire. Je me suis dit, tiens, il faudrait bien des petits yeux sécurisés couleur marron, comme ça. Ils disseraient bien avec le renne. Donc vous voyez, on a différentes teintes. On a ceux-là qui sont un peu plus clairs que ceux-là. Attendez, hop, que ceux-là, vous voyez. On a des verts, rouge, bleu et les transparents. Vous voyez, je trouve que pour faire des petits trucs, pas pour des poupées, mais pour faire des petits trucs fantasy, je les trouve vraiment chouettes. Ça change un petit peu. J'avais pris des gros yeux comme ça pour mon serpent. C'est pareil. J'ai cherché, je n'arrive pas à remettre la main dessus. Alors, ils ont des yeux, hein. Ça c'est les différentes tailles qu'on peut avoir. Là, vous allez bien voir. Ça, c'est des tout petits. Alors, c'est rare qu'on les utilise. Et voilà. Donc, les quatre tailles de noir. Les petits, les moyens. Hop, tac, tac. Et puis là, on a les gros. Et on a des petits originaux. Alors, ça, c'est les petits nez de chien, de lapin. C'est joli. J'ai... vu qu'il y avait ceux-là aussi. Et pour des yeux, je trouve que ça peut être sympa. Des fois, vous savez, dans les yeux, on dirait des pattes de chien. Hein, mais dans les yeux, on a un petit fil blanc si on les fait au crochet. Je trouve que ça pourrait être sympa. Ça peut me faire une petite alternative. Côté museau, on a la petite truffe noire. Elle est en rose. Elle est en marron. Donc, j'ai quand même voilà, du choix. Elle est en rouge. Pourquoi pas? Pour un petit... ouais. Voilà. Les différents tons, et puis évidemment en noir, hein. Les tons des petits museaux. Et puis là, ils nous ont mis ça. Alors après, c'est à coller, c'est des petits cœurs. Faire des joues, vous savez, faire des petits trucs un peu kawaii. Des petits cœurs à coller. Bon, après, il faut trouver comment les coller. Hein. Il y en a des rouges, il y en a des jaunes, il y en a des noirs. Je me suis dit, tiens. Des fois, quand on fait des petites pieuvres, comme j'avais fait au crochet, je vous rappelle que le tuto des pieuvres est disponible. Vous allez dans mes tutos crochet et vous retrouverez les pieuvres réversibles. Je m'étais vraiment amusée à faire ces petites pieuvres. Et puis là, on a vraiment les petits museaux de chien. Vous voyez, incurvés comme ça, avec des petites formes, ils sont très très sympas. Donc il y a du choix, je suis contente. Et là, on a les embouts. J'espère que les embouts vont correspondre. Donc il y en a des plus petits, des plus grands. Ça, j'en ai des plus gros dans ma valise où j'ai mes petits museaux, tout ça. Mais il n'y a pas. Donc, eh ben, hop. Eh ben, je ne sais pas du tout comment les mettre.
si j'ai pas le petit truc en plastique derrière. Voyez, mais je suis dégoûtée parce que je sais pas ce que j'ai fait de cette valise. Donc elle me suivait. J'ai fait aussi les gros amigurumis. Hein. J'ai fait les lapins, j'ai fait le serpent, j'ai fait l'ourson. Est-ce que après j'ai fait toutes mes pieuvres. Les pieuvres, je les faisais en bas. Est-ce que j'ai laissé ça peut-être dans le coffre de mon canapé, mais j'ai déjà cherché, je les ai pas trouvés. Est-ce qu'ils sont tombés derrière mon buffet de salon que je ne peux pas tirer? Ou est-ce que la gamine me les a mis sous le meuble télé? Je ne sais pas, mais en attendant, j'ai tourbouillé ma chambre. Je ne les retrouve pas. Et je voulais absolument quand même avoir le... Il me fallait une valise. Donc voilà, ce n'est pas excessif non plus. C'est sûr que je m'en serais bien passée, même s'il y a des petites nouveautés. Bon, ça, je ne sais pas comment je pourrais les utiliser parce que... faut les coller, quoi. Faut les coller, c'est pas sécurisé. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut plus donner ça à un bébé. Mais ouais, ça peut faire des petites joues sympas, des petits trucs coucailles. Je vois des petites tasses un petit peu, genre pour mettre les crochets, etc. Il peut y avoir de l'idée. Franchement, ça peut, ouais, il peut y avoir de l'idée. Par contre, je regarde parce que. Non, j'ai cru qu'il y avait un truc. Non, c'est parce que c'est mal. Il n'est pas à sa place celui-là. Voilà. Je trouve que ça peut être sympa. Les v'là aussi, mais. Après, il faut les coller avec la colle chaude. Bon, c'était un petit plus qu'il y avait dans la mallette. C'est pas pour ça que j'ai choisi cette mallette-là. Mais voilà, ça, je me suis dit, des petits yeux, ça peut être sympa. Les mettre comme ça, vous voyez. Pas que ça fasse museau non plus, mais. Ça peut faire une alternative au lieu de coudre. Et puis là, on a les gros yeux. Mais l'autre, je suis dégoûtée. Je ne sais pas où elle est. Je sais pas où elle est passée. Mais c'est quand j'ai fait mes amigurumis de Pâques. Voilà. Mais les serpents, tout ça. Ce que j'ai fait aux enfants. Mais qu'est-ce que j'en ai fait? Mystère. Si elle est tombée entre les mains de Céleste, elle peut être partout et nulle part. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je vais vous mettre le lien. Je vais aller chercher sur mon compte Amazon. Je vais vous mettre le lien. Donc, moi, j'ai le Prime. Donc, je ne sais pas, mais la livraison était gratuite. Je l'ai commandé. On est quel jour? Mercredi. On est mercredi. Je l'ai commandé lundi. Voilà. Et je l'ai reçu aujourd'hui en boîte aux lettres. Donc, ça me fait voilà des petits compléments. Et comme je suis vraiment dans les amigurumis, mais je voudrais vraiment retrouver l'autre. Je voudrais vraiment retrouver l'autre, quoi. Parce que les yeux étaient plus gros. Il me la faut que je la retrouve, mais... En attendant, voilà, je ne vais pas passer mes journées à chercher quelque chose qui peut être, comme je vous ai dit, on ne sait où. Donc, il me fallait vraiment une nouvelle. Et puis, ça va être utile, c'est pas quelque chose... Voilà, faut pas que je la perde, c'est tout. Voilà, donc elle est dans une petite valise comme ça, en plastique. Et très pratique. C'est quand même gros, hein. Il en faut quand même pour perdre un truc aussi gros quand même, hein. Bon, je sais qu'on va me le demander, donc je vous donne les dimensions. 13 sur 19, et puis en hauteur à peine 2,5. Voilà. Et puis les petits... Alors, ce que je regrette, voilà, ça va être le petit problème, c'est que ils auraient pu mettre ça avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça, ça va se perdre. Alors, c'est même pas un sachet refermable, hein. Ils auraient pu encore mettre dans un sachet zippé, mais là, non, c'est un petit sachet plastique tout simple. Donc, c'est un peu con-con, quoi. Enfin, bref, ce que je vais faire, moi, je vais le remettre dans ma boîte d'emballage. Hein. Et dessus, je vais marquer « yeux sécurisés ». Attendez, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, il y a encore des choses. Oh, il y a encore un autre sachet. Ça, c'est pour les plus gros, je pense. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont mis ceux-là à part. Ah, ceux-là, ils sont tous de la même taille. Et ceux-là, c'est les plus gros, apparemment. Bref, donc, il va falloir que, de toute façon, ça va être le nettoyage d'automne. Il faut que je vire mon canapé et que je fasse le ménage dessous. Parce qu'on a plein de petites pièces de jouets, de machins. Et voilà, il va falloir que je range. Mais comme on a un canapé d'angle convertible, qui est hyper lourd et qui se démonte pour le déplacer... Donc, il faut que je sois avec mon mari. Donc, il
faut qu'on se trouve un petit moment pour faire ce genre d'activité qui n'est pas un folichon. Hein. Il y a d'autres activités plus sympas à faire en couple. Je vous l'accorde, mais parfois, quand il faut, il faut. Hein. Donc voilà, en tout cas, c'est sur Amazon. Alors, on en trouve, j'ai pas de partenariat, je les ai payés avec mes petits sous. On en trouve sur Temu, évidemment, on en trouve sur AliExpress. Mais moi, j'étais quand même un petit peu dans, comment dire, dans l'urgence, oui. Donc c'est pour ça. Ceux-là, je les avais achetés sur Ali ou... non, Wish. J'étais encore pas sur Ali quand je les ai achetés, ceux-là. Ça date. Ils sont toujours là. Alors que mes beaux ne sont plus là. Enfin, bref, on va pas... ça me trottait. Je me couche, je pense qu'à ça. Donc je me suis dit, écoute... Maintenant, tu en as une nouvelle pour un petit peu. Et je cherche tout le temps à droite, à gauche, où cette satanée valise pourrait être. Mais franchement, honnêtement, j'ai pas d'idée. Je comprends pas. C'est surtout ça. Je piche pas où elle a pu passer. Voilà. Bref, en tout cas, voilà. Je voulais vous faire découvrir la jolie mallette, celle qu'il faut des amigurumi. Franchement, vous achetez ça, c'est 11 euros. Alors, certes, c'est pas donné, mais vous avez vu, franchement, les couleurs différentes, les tailles, etc. Donc, celles qui sont fans d'amigurumi au crochet, franchement, je pense qu'à un moment donné, il faut... Et en plus, si vous n'aimez pas coudre, voilà, crocheter les yeux, parce que les yeux, c'est les crocheter, on peut faire deux yeux nickel, identique, parfait, mais c'est après pour les coudre. Moi j'ai beaucoup beaucoup de mal à coudre proprement un petit œil comme ça sur un amigurumi, donc ça fait vachement plus voyez, par exemple si je regarde le pain d'épices, ah voyez, je pense à ça là, les petites joues, on aurait pu mettre les petits cœurs, voyez, c'est propre, c'est la finition est plus jolie. Là on en a des plus petits pour la licorne par exemple, hein. Là, j'avais mis ceux-là. Donc, c'est toutes des tailles différentes. Par exemple, j'aurais pu mettre les yeux jaunes, avec le contour jaune, ça aurait fait joli. Et puis la lapine, voilà, ah ben, là, l'éléphant, vous voyez, on voit très bien la différence. C'est des yeux que j'ai cousus moi-même. Et déjà, il faut les coudre au bon endroit. C'est minuscule. Selon les mailles, si on a un peu plus serré d'un côté sur un œil que sur l'autre, ça peut être galère. Tandis que là, c'est vachement plus net, quoi. Vous les espacez, vous voyez, hein. Mais franchement, c'est vachement plus joli. Alors, par contre, ils disent yeux sécurisés. Sur mes pieuvres, quand j'ai fait les pieuvres pour les petites, les yeux, ils sont partis. Parce que c'était une laine chenille, vachement épaisse, en velours. Et pareil, sur le serpent de Matisse, au bout d'un moment, je crois qu'on y a enlevé les yeux. Je ne suis pas sûre, lui. Mais les autres, les tortues, là... Non, les pieuvres, les poulpes, voilà, ce que j'avais fait, réversible, tout ça, avec la grosse laine, les yeux sont passés à travers les mailles, et Céleste s'est retrouvée qu'un œil à la main. Bon, voilà, on ne lui laissait pas la nuit, etc., on était à côté, donc après j'ai enlevé les yeux, donc la pieuvre, elle n'a plus d'œil, mais en tout cas, voilà, j'ai été obligée. Par contre, là, on aurait pu prendre des yeux avec la bordure brune, vous voyez, ça aurait fait joli. Après, selon la couleur de l'amigurumi, là, j'aurais bien vu les yeux jaunes. Avec le petit liseré jaune, faire ressortir le... Vous voyez, on peut faire plein de choses. Je sais que le serpent de Matisse bleu, eh ben, j'avais mis les gros yeux avec le bleu. Et ça faisait vraiment très joli. Donc ça finit quand même, et quand on n'est pas fan de couture, je vous dis, ça c'est nickel, quoi. Ça fait bien l'affaire, mais pas pour donner à un bébé. Voilà, pour décorer une chambre, mettre sur un meuble, etc. Mais... Voilà, c'est sécurisé sans être sécurisé, hein. Voilà. Enfin, chacun fait comme il veut, mais c'est sûr que si vous cousez les yeux que vous avez crochetés, c'est mieux, mais pour décorer avec des petits amigurumis ou offrir à un adulte, ou voilà, pas à un bébé, pas que ça soit une peluche qui soit dans le lit ou un doudou, les yeux sécurisés, c'est vraiment le top. Voilà, j'espère que ce petit tuto, enfin voilà, ce petit unboxing de yeux sécurisés d'Amazon vous aura plu. Je vous mets le lien sous la vidéo et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye !